Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je voudrais faire une petite vidéo qui n'était pas prévue hier, en plus je suis content, j'ai reçu mon nouvel ordi, là mon ordi était foutu, là je suis content, hein. Ça nous permet d'avoir l'accusé en question à côté de moi, hein. Voilà. Ça va Fredo? Bien la forme, tranquille? Voilà, hein. Ah bah le PSG manque de mental, mais à ce que je vois, toi tu manques pas de démental. Non, sans déconner les amis, franchement, franchement. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a fait encore Antonetti hier? Parce que moi, à la base, aujourd'hui, je vais pas faire de vidéo, mais moi, quand on attaque le PSG, vous me connaissez, direct, je fais une vidéo, moi, hein. Alors, Antonetti, hier, après le match face à Metz, je sais pas ce qu'il lui a pris, hein, il était chonchon, il était pas content, hein. On le connaît, c'est une grande gueule, Antonetti. Et il est pas à son premier coup d'essai avec le PSG, hein. Lui, il fait vraiment partie de ces mecs qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain. C'est pas la première fois qu'il s'en prend au PSG comme ça. D'accord? Le problème, les gars, c'est qu'hier, il a dit un truc. Pour moi, c'est une bêtise. Une grande, grande bêtise. Hein? Donc, Antonetti, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui entraîne depuis des années. Moi, j'ai 33 ans. Je me rappelle que je l'ai découvert à la saison 97-98, quand il était sur le banc de Bastia. D'accord? C'est quelqu'un, il a entraîné Bastia, Saint-Étienne, Lille, Rennes, Nice, Metz actuellement. Et il a même entraîné... Hein, cette équipe, une équipe japonaise. Voilà. Donc, Frédéric Antonetti, ben, j'ai envie de te dire, déjà, quand tu n'as pas entraîné de grands clubs et que tu n'as rien gagné, il faudrait un petit peu se taire. Parce que déjà qu'il avait monté au front tout de suite quand Longoria parlait du niveau pitoyable des entraîneurs en Ligue 1 et il n'avait pas tort, c'était un des premiers à monter au front. Mais bon, voilà. Là, il monte au front et il s'en prend au PSG qui n'a pas de mental, tout ça. Déjà, Antonetti, comme je vous l'ai dit, n'a entraîné aucun grand club, hein, voilà, n'a pas marqué le football français, ni européen, ni quoi que ce soit. Antonetti a gagné une coupe Intertoto seulement, et la coupe Intertoto, pour ceux qui s'en rappellent, c'était flingué, hein, même 3 de Jérôme Rotten en 2002 l'a gagné. C'est d'un niveau cataclysmique, la coupe Intertoto, d'accord. Ensuite, il a gagné 2 championnats, mais pas de Ligue 1, de Ligue 2, voilà. Antonetti nous parle de défaillance mentale au Paris Saint-Germain. Mais quand t'es un entraîneur, Fredo, qui a perdu 4 finales de Coupe de la Ligue sur 4, viens pas nous parler de mental, Fredo. Hein? Voilà, gagne déjà tes finales de Coupe nationale et après on pourra en parler de mental. Bref, maintenant je voudrais répondre à ça, parce que moi ça me gonfle. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Hein, on va pas faire les Marseillais, il faut que les gens arrêtent de faire les Marseillais à vivre dans le passé. Hein, les Marseillais avec nous on a l'étoile, nous 93, nous ceci. Alors que c'était il y a 31 balais en arrière. Non les gars, hein, le Paris Saint-Germain, 2017, remontada, on n'a pas eu de mental. 2018, le match retour contre le Real, on s'est chié dessus au parc, on n'a pas eu de mental. 2019, contre Manchester United, on s'est fait soulever au parc, on s'est fait sortir, on n'avait pas de mental, là je te l'accorde. Mais là, faut vivre dans le temps présent. 2017, 2018, 2019, c'est terminé. Hein? C'est terminé. Voilà. Parce que nous dire que le Paris Saint-Germain n'a pas de mental, alors que le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions, d'accord? Le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG est en route pour un quadruplé historique. Ils peuvent le faire. Ils sont encore engagés en Coupe de France. Ils sont en demi-finale. Nous sommes encore engagés pour la course au titre en Ligue 1. Nous sommes encore en Ligue des Champions, demi-finale. Nous avons gagné le trophée des champions, donc on peut faire le quadruplé, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions. Voilà, et ça, une équipe qui n'a pas de mental, elle ne peut pas être à ce niveau-là, elle ne peut pas espérer faire un quadruplé comme ça. Si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on a un minimum de mental, excuse-nous, Fredo. Hein? Alors on va me dire... Ouais, mais il a parlé de la Ligue 1. Mais la Ligue 1, c'est pareil. On a certes perdu 8 fois, mais on est aussi l'équipe qui a remporté le plus de matchs en Ligue 1. Eh ouais, Fredo. Eh ouais. On est l'équipe qui a remporté le plus de matchs. On a perdu 8, mais on est l'équipe qui a gagné le plus de matchs en Ligue 1. Et là, parce que je vous parle avant Lille-Lyon, avant Lyon-Lille, pardon, nous sommes provisoirement leader. Voilà. Le PSG, pas de mental. Tu sors quand même le Barça. Tu leur mets 4-1 au Camp Nou. Et au match retour, tu ne perds pas. Sur les 2 matchs, tu ne perds pas. Une équipe qui n'a pas de mental ne fait pas ça, Fredo. Une équipe qui n'a pas de mental, déjà, ne gagne pas 4-1 en Camp Nou. D'accord? Une équipe qui n'a pas de mental, lorsque Messi égalise là au parc, on aurait sombré, on en aurait pris 2 ou 3 derrière. On aurait peut-être resubi une remontada comme celle de 2017, où là, je te l'accorde, nous n'avions pas
de mental. Hein? Bayern de Munich. Alors oui, je sais, Bayern de Munich diminué, machin. Mais quand tu te pointes à Munich, quand tu joues avec des backers, Dagba, Danilo en défense centrale, sans Verratti, sans Paredes, sans Marquinhos qui sort, Neymar pas à 100%, là aussi, nous étions, excusez-nous, nous aussi, nous étions diminués face au Bayern. Il n'y a pas que eux, d'accord? Bref, toujours est-il que ça restait le Bayern, une grosse équipe, une grosse armada offensive, une grosse armada, un gros collectif, une machine. Eh ben, tu gagnes 3-2 à Munich. Tu mènes 2-0, tu te fais reprendre à 2-2. Une équipe qui n'a pas de mental aurait sombré. Et après l'égalisation de Müller à Munich, quand le Munich remonte à 2-2, après l'égalisation de Müller, mon petit Fredo, une équipe qui n'a pas de mental n'aurait pas eu les ressources pour gagner 3-2 ce match, mais l'aurait perdu et aurait encore encaissé des buts derrière. Donc pas de mental, on repassera encore. Hein. Ensuite, match retour, quand Choupeau ouvre le score en fin de première mi-temps, qu'il reste un but au Bayern pour se qualifier, si notre équipe n'aurait pas eu de mental, tu tenais pas la qualification, tout simplement. D'accord? Donc il faut arrêter de nous dire on n'a pas de mental. Cette année, on a prouvé que nous étions une équipe qui avait grandi mentalement. Hein? Ensuite, il nous dit aussi, le Fred, qu'il y avait plus de mental sous l'époque de Rai et de Zlatan au Paris Saint-Germain. Tu veux que je te rappelle, mon petit Fredo, quand sous l'ère Zlatan, nous ne passions pas les quarts de finale de Ligue des Champions? Hein? En Ligue des Champions, les gars, avec Zlatan, en quart de finale, on jouait des gros, on ne passait pas. Hein? Contrairement à cette année où, excuse-moi, on affronte la meilleure équipe du monde, le Bayern de Munich, championne du monde en titre, championne du monde des clubs en titre, championne d'Europe, et on est passé. Ah! Ben pourtant, on a moins de mental que l'époque de Zlatan. Je comprends pas, moi. Explique-nous, Fredo. Hein? Ensuite, les amis, ben c'est pareil. L'époque Rai, bien sûr. Hein, les années Rai, les gars, c'est nos années où on a brillé en 90 sous la scène européenne. Hein, où de 93 à 97, on a fait des choses exceptionnelles, d'accord? On était un grand d'Europe. Mais oui, mais sous l'époque Rai, c'est pareil que maintenant. Sous l'époque Rai, nous n'avions fait qu'une demi-finale de Ligue des Champions en 95 face à Milan. Rai n'a jamais été en finale de Ligue des Champions que le PSG et a été au même point que nous cette année, demi-finale. Parce que je vais pas parler de finale 8. Là, je parle de la Ligue des Champions 95 où en quart de finale, tu sors le Barça, le grand Barça de Cruyff, sous un match aller-retour. Donc pour comparer à armes égales, on compare cette année avec le Bayern, match aller-retour, quart de finale. Donc c'est pour ça que je ne vais même pas parler de la finale du Final 8, hein, qui était sous un autre format. Là, je parle vraiment d'un format similaire, face à une grosse écurie. D'accord? Eh bien, on a fait comme le PSG de Rai, qui selon toi, et je te l'accorde, avait un mental. Hein, on a été en demi-finale de Ligue des Champions, bah, pareil cette année. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir aux gens. Donc les amis, maintenant, j'aimerais que tous ensemble, les gars, tous ensemble, nous disions un gros shut up à Fred. Et je veux, et mes réseaux sociaux sont juste en bas, hein, mon Twitter, mon Snap et mon Insta, c'est juste en bas dans la description, les amis, et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer votre vidéo en train de dire un bon shut up à Ancelotti en même temps que, Antonetti, pardon, en même temps que moi. D'accord? C'est important. Donc attention, les amis, vous êtes prêts? Fredo, shut up! Voilà! Allez, prenez soin de vous, les amis, et à Paris.